Notre thème de ce matin, justement, c'est la miséricorde se moque du jugement. Le jugement, c'est le jugement de Dieu. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Jacques 2, 13. Dans son épître, Saint Jacques donne là une indication essentielle pour notre salut et qui est transversale à travers tous les évangiles. Pour quiconque fait miséricorde, il n'y aura pas de jugement. C'est l'idée principale que nous dégageons de la lecture des deux textes que l'Église propose à notre méditation de ce matin. En effet, dans la première lecture, Tobie se montre très généreux. C'est un bon intendant, un bon gérant de la grâce reçue de Dieu. Il partage sa nourriture et il enterre les paumés de la terre. Un tel gérant n'a pas à craindre la reddition des comptes. N'a pas à craindre le jugement. Il est miséricordieux. La miséricorde se moque du jugement. Le mauvais comportement des vignerons homicides de l'évangile vient du fait qu'ils ont mal géré la vigne d'autrui du Seigneur. Ils ont tellement peur de l'audit qu'ils croient bien faire en tuant les auditeurs qui leur sont envoyés. Donc dans l'évangile, il y a des gens qui gèrent la vigne d'autrui. Alors venu un moment, le propriétaire de la vigne veut qu'on lui rende compte. Et eux se rendent compte qu'ils n'ont pas été de bons gestionnaires. Ils ne sont pas prêts à accepter l'audit. Et que font-ils? Ils tuent tous les auditeurs, tous ceux qui leur sont envoyés pour contrôler leur gestion, pour sanctionner leur gestion. Alors ils les tuent. Ils leur font du mal. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont été des mauvais gestionnaires de la grâce. Tobie, dans la première lecture, se montre miséricordieux. Il mange avec les pauvres. Il enterre ceux qui sont abandonnés. Il se montre miséricordieux. Dieu lui a accordé la grâce. Il avait des moyens. Il ne mangeait pas seul. Il voulait manger avec les autres. Alors lui n'avait rien à craindre si, au cas où Dieu lui enverrait des auditeurs. Au cas où Dieu lui enverrait l'IGF, il n'avait rien à craindre. Non, moi j'ai bien géré la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai partagé le pain que j'avais avec les pauvres. J'ai enterré les morts abandonnés. Je les ai enterrés. Donc je n'ai rien à craindre du jugement de Dieu, de l'audit de Dieu, de la reddition des comptes. Je n'ai rien à craindre parce que j'ai bien géré. J'ai été un bon gérant, un bon intendant de la grâce divine. Amen. Dites à votre voisin, sois un bon intendant de la grâce divine. Donc la grâce divine, Dieu nous est accordée à nous tous. Mais le problème, c'est de la gérer. Alors nous avons trois parties. Première partie, qui mange seul s'étrangle seul. Ce proverbe arabe veut simplement dire que celui qui ne possède pas d'amis dans son entourage n'aura personne pour l'aider en cas de besoin. Nous parlions hier de la Trinité, nous disions un peu cela en disant, voilà, Dieu n'est pas, il est l'unique Dieu, mais il n'est pas un Dieu solitaire. Il vit dans la Trinité. Alors personne ne peut vivre seul. Nous devons vivre en communauté. Nous devons former une bonne communauté à l'image de la Trinité. Alors ne vivez pas seul. Qui mange seul, s'étrangle seul. Manger seul n'est donc pas une bonne chose. Tobie l'avait compris. C'est pourquoi un jour de Pentecôte, un jour de Shavuot, fête de semaine, alors qu'on venait de lui présenter un bon dîner composé de plusieurs plats, il dit à son fils Tobie, c'est Tobit, c'est le père, qui dit à Tobie le fils. Il lui dit quoi? Il a son repas, il peut manger. Il dit à son fils, va chercher mon enfant parmi nos frères déportés à Ninive, un pauvre
qui soit de cœur fidèle et amène-le pour partager mon repas. Va me chercher un pauvre, je dois manger avec un pauvre aujourd'hui à ma table. J'attends que tu reviennes, mon enfant. Je ne vais pas manger tant que tu ne seras pas revenu. Aujourd'hui, à ma table, il y a un couvert pour un pauvre. Tobie, le fils, sortit donc en quête d'un pauvre. Il cherche un pauvre. Où est le pauvre qui va manger avec mon papa aujourd'hui? Et il cherche parmi ses frères, les Juifs, parce qu'ils étaient en déportation dans un pays étranger. Cet homme de l'Ancien Testament, Tobit, nous interpelle par rapport à quatre textes du Nouveau Testament. Lui, il est de l'Ancien Testament, mais il nous interpelle, nous qui sommes du Nouveau Testament. Que dit le Nouveau Testament? Luc 11, 41 dit, « Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Hein? Et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Donnez en aumône ce que vous avez. Et tout sera pur pour vous. Nous sommes tous convaincus que le pardon des péchés, nous le recevons à travers le sacrement de la réconciliation. Mais ce texte dit que l'aumône purifie. L'aumône lave. Aumône, c'est quoi? C'est que tu donnes aux pauvres. L'aide que tu donnes aux malheureux. La main que tu tends aux miséreux. La miséricorde que tu montres. Miséricorde. Le cœur. Hein, que tu donnes aux malheureux. Quand tu aides un pauvre, tes péchés sont effacés, sont pardonnés. Hein? L'aumône est souvent négligée par des chrétiens. Hein? Dans ce texte, inconnu de beaucoup d'entre nous, Luc 11, 41, inconnu de beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous dit que la charité couvre une multitude de péchés. Ça, c'est 1 Pierre 4, 8. La charité couvre une multitude de péchés. Tu as péché. Tu ne te feras pas pardonner seulement en allant te confesser, en priant à haute voix, en te mettant à genoux. L'homme s'est fait aussi pardonner en étant charitable, en étant généreux. La charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4:8. Les péchés nous sont pardonnés dans le sacrement de réconciliation, mais aussi chaque fois que nous nous montrons généreux et miséricordieux envers nos frères, envers les plus démunis d'entre nous. Concluant son épître, Saint Jacques nous montre que gagner les âmes est aussi purificateur. Parce qu'il reprend, parce que la même parole de 1 Pierre 4:8, il dit, c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc quand tu gagnes les âmes, tu couvres une multitude. C'est de la charité, hein, l'évangélisation. C'est de la charité. Tu couvres une multitude de péchés. Quand tu aides les pauvres, tu couvres une multitude de péchés. Alors je me pose toujours la question, quand vous n'êtes pas charitable là, quand vous n'êtes pas généreux là, or vous êtes des pécheurs, confession, problème pour vous confesser, il faut que je vous menace, il faut que je dise ceci, il faut que je dise, je dois prendre le carnet. Alors là vous vous rappelez que le sacrement de réconciliation existe, je prendrai le carnet mardi, je vais prendre le carnet. Alors là les gens commencent à se confesser, confession difficile, charité compliquée. Comment vous faites pour vous faire pardonner? Pécheurs, nous le sommes tous. L'Église nous montre des voies pour obtenir le pardon de Dieu. Confessez-vous. Mais aussi le texte, Luc 11, 41. Donnez à nos mondes tout ce que vous avez. Et tout deviendra pur pour vous. 1 Pierre 4, 8. La charité couvre une multitude de péchés. Jacques 5, 20. Si tu ramènes un frère qui était perdu, tu le ramènes dans la voie du salut. Tu couvriras une multitude de péchés. Tu te feras pardonner. Mais nous sommes des pécheurs. Que faisons-nous de ces trois, hein, de ces trois pratiques? Quelle est la pratique qui est courante chez nous? Première pratique, aumône. Est-ce que tu donnes aux pauvres? Avec l'idée que l'aumône couvre une multitude de tes péchés. Que l'aumône rend pur. Deux, tu peux donner de temps en temps. Mais est-ce que pour toi c'est un principe? Pour toi c'est ça ta vie? Tu trouves que c'est nécessaire d'aider les pauvres? Je parle des pauvres, je ne parle pas aider tes enfants, aider les membres de ta famille. Les pauvres, ceux qui n'ont rien.
Voyez, Toby, il aide quand il dit, va chercher, va me ramasser quelqu'un là que je ne connais pas. Il n'a pas dit, va appeler tel qui, je crois qu'à ce moment, il n'a pas à manger chez lui. Non, va me chercher un inconnu, n'importe lequel, qu'il vienne ici, on va manger avec lui. Il va manger à ma table. L'aumône, la charité couvrant une multitude de péchés. Deux, la confession, nous le savons. Trois, l'évangélisation. Le premier texte est là. Est là. Tobie de l'Ancien Testament le vivait d'une certaine manière. Est-ce que toi tu le vis? Deuxième texte. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre. Car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Donc, aide les gens sans vouloir. Bon, quand tu aides un pauvre sur la route, tu ne retiens même pas son visage. Il ne retient même pas ton visage. Ce qui fait qu'il peut même revenir te redemander alors que tu lui avais déjà donné. Il dit, aide les gens comme ça. Parce que si tu aides les gens que tu connais, d'une manière ou d'une autre, tu leur dis tu leur demandes de te le rendre d'une manière ou d'une autre. Alors il faut aider les gens dont tu ne retiens pas les visages et qui peut-être ne retiendront pas ton visage. C'est ce que Tobie fait. Va me chercher. Un des nôtres, où qu'il se trouve, d'où qu'il vienne manger avec moi, à ma table. Je ne veux pas manger tant qu'il ne sera pas ici. Toby, gratuité du don. N'appelle pas quelqu'un que je connais, appelle quelqu'un que je ne connais pas, qu'il vienne ici. Altruisme, gratuité. Donner, la solution est donc dans l'altruisme. Donner sans rien attendre en retour. En le faisant, nous éprouvons un bonheur pur, car la générosité rend heureux. Nous obtiendrons un remerciement, mais par une autre voie et sous une forme inattendue. Ce remerciement, c'est le pardon, la grâce, la bénédiction que nous recevrons du Seigneur. Donc, le remerciement, ce n'est pas celui que te donne, le pauvre que tu aides. Le remerciement, le vrai, vient de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En déclarant heureux les pauvres en esprit, le Seigneur Jésus insinue qu'il y a des pauvres malheureux. En effet, il y a des pauvres avec un cœur de riches et des riches avec un cœur de pauvres. C'est la raison pour laquelle Tobie n'envoie pas son fils chercher n'importe quel pauvre, mais seulement un pauvre qui soit de cœur fidèle. Je me demande comment Tobie allait faire, Tobie le fils, pour découvrir le pauvre qui a un cœur fidèle. Ah, il y a quand même une critériologie. Ce n'est pas tous les pauvres qu'il faut aider. Il y a des pauvres qui ne sont pas des vrais pauvres. Donc, dans l'aide à donner aux pauvres, il faut quand même un discernement aussi. Parce qu'ici, le texte dit, un pauvre qui soit de cœur fidèle. Pas n'importe quel pauvre. C'est-à-dire que le fils va chercher un vrai pauvre. Mais je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour trouver un pauvre qui soit de cœur fidèle. Mais je dis que c'est une indication pour nous. Parce qu'il y a aussi des faux pauvres. Même si nous pouvons par ailleurs dire que quand quelqu'un quand même commence à mendier, c'est que quelque part il a touché le fond. Oui, mais il y a quand même des pauvres. Le monsieur là est venu chez toi. Un jour, mon fils est malade. Il va mourir. Tu lui as donné de l'argent. Il rentre. Le lendemain, avec le même mensonge, tu lui donnes encore. Il rentre troisième fois avec le même mensonge. Non, ce n'est pas un pauvre de cœur fidèle. Donc il faut que tu aies une critériologie. Quelqu'un qui est fort, tu vois seulement que cet homme est fort, il peut travailler. Il vient aussi demander avec ceux qui sont faibles. Dis non, mon cher, je t'aide aujourd'hui, mais va travailler. Bats-toi. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Il y a une certaine critériologie à suivre dans le domaine. Parce qu'ici, Tobie dit bien, le texte est là, il dit bien,
Va chercher mon enfant parmi nos frères déportés à Ninive, un pauvre qui soit de cœur fidèle. Un pauvre qui soit de cœur fidèle. Donc, il ne faut pas être naïf. Donc, il faut aider les gens. Parfois, nous avons même des membres de nos familles qui ne travaillent pas et qui sont là, qui viennent toujours demander, qui viennent toujours demander. Et nous leur donnons. Mais nous ne les aidons pas. Qu'ils soient fidèles de cœur. Un vrai pauvre. Alors, nous aussi qui sommes ici, Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Ah, il faut être des pauvres heureux, pas des pauvres malheureux. Un vrai pauvre, c'est aussi aider les autres. Comme cette histoire-là que je vous ai racontée du camembert. Dans un monastère, on a préparé un bon camembert, un bon fromage. Et celui qui avait le supérieur de la maison a dit, non, moi je ne peux pas manger ça. C'est tellement beau. J'envoie ça au monastère voisin. Il prend le camembert et l'envoie au monastère voisin. Au monastère voisin, le supérieur trouve le camembert très bon. Il dit non, je ne mérite pas ça. Il envoie au monastère voisin. Finalement, à la fin, le camembert est revenu à son point de départ. Tout le monde s'est trouvé indigne de manger ce bon fromage. Il a circulé de couvent en couvent parce que chacun pensait que l'autre en avait plus besoin. Voilà les vrais pauvres. Quand vous trouvez un pauvre qui ne partage pas, c'est un faux. Et ce pauvre-là n'est pas heureux. Le pauvre heureux, c'est celui qui partage. C'est lui à qui on fait des rêves. Toi, tu exagères un peu. Toi, tu n'as rien et tu donnes à tout le monde. C'est que je vais raconter l'histoire du pasteur pentecôtiste qui est venu me voir. Il vit au Canada, aux États-Unis, j'ai oublié. Mais il m'a parlé de sa maman. Il dit, monsieur l'abbé, moi, ma maman était catholique, mais c'est une sainte. À la maison, on lui faisait le reproche suivant. Maman, tu exagères dans ta générosité. Nous n'avons rien, mais tu donnes aux autres. Et lui, aujourd'hui, pasteur pentecôtiste, il dit, ma maman était une sainte. Est-ce que les mamans qui sont ici, vous avez cette réputation auprès de vos enfants? Que maman donne, hein? Maman aide les gens. Hein? Un garçon qui tient ça me dit au sujet de sa mère, mais vous savez, maman prie avec vous, mais là, mauvais cœur. J'ai dit, comment ça? Monsieur l'abbé, même donner de l'eau aux pauvres ici, quelqu'un passe devant de l'eau, maman refuse. Même quelqu'un qui passe là, il dit non, je voudrais un peu entrer dans vos installations, maman refuse. Mais elle prie avec vous, monsieur l'abbé. Une fille qui priait ici m'a avoué une fois que, et là, un pauvre est venu demander de l'eau chez elle. Avant de donner de l'eau à ce pauvre-là, elle a craché dans l'eau. Ce ne sont pas des pauvres. Heureux les pauvres qui sont heureux de partager. Les pauvres qui ne veulent pas manger tout seuls, qui veulent manger avec les autres. Les pauvres qui aiment partager. Les pauvres qui n'ont pas de difficultés pour partager. Ce sont ces pauvres-là que Jésus déclare heureux. Le royaume des cieux sera à eux. Ils n'ont rien, mais ils partagent. Ils n'ont rien, mais ils ont la joie de donner. Ils n'ont rien, ils disent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais le pauvre qui ne veut que recevoir, qui ne veut que recevoir, qu'on lui donne lui, qu'on l'aide lui, qu'on l'assiste lui, ça c'est un pauvre malheureux. Le royaume des cieux n'est pas pour lui. Heureux les pauvres. Heureux, les pauvres, changez la phrase, dit, les pauvres heureux iront au ciel. Les pauvres malheureux n'iront nulle part. Ça veut dire Jésus, celui qui est pauvre heureux, c'est-à-dire pauvre qui n'est pas grincheux, qui n'est pas jaloux, qui n'est pas médisant, qui n'est pas calomniateur, un pauvre qui accepte sa condition, un pauvre qui n'est pas amer, parce qu'il y a des pauvres amers. Les pauvres sont connus pour leur amertume. L'amertume amère, mais qui ne le conduit pas à la paix, qui le conduit encore à la guerre. Ils sont toujours là à regarder la vie des autres. Ah, l'autre est bien, l'autre est béni, etc., etc. Hein? Ils sont contents quand ils se retrouvent dans des milieux où on critique les gens, surtout les gens qui ont réussi, hein, qui ont réussi. Hein? Alors, ils sont contents de se retrouver dans des cercles où on critique les gens qui ont réussi. Vous avez une association comme ça, l'association des critiqueurs de ceux qui ont réussi. Et c'est toi qui en es le président fondateur. Donc vous vous retrouvez là, un cercle de losers, des gens qui ont échoué là. Et tout le temps vous parlez de ceux qui ont réussi. Depuis qu'il a ça, on ne boit plus de l'eau. Qu'est-ce qu'il croit? L'argent là, ça peut se terminer. Mobutu, il avait beaucoup d'argent. Mais oui, il est aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent. Mais ils sont morts du cancer.
Association des losers. Regardez avec qui vous vous retrouvez et de quoi vous parlez. Si quelqu'un, si tu veux savoir si, hein, est-ce que j'ai réussi dans la vie ou je suis en train de réussir, regarde les gens avec qui tu t'assembles et regarde les sujets que vous partagez. Le sujet que vous partagez révèle votre échec. Si vous retrouvez à 5, vous allez parler des autres. Ah donc, depuis qu'il a payé la moto, on ne boit plus de l'eau. Depuis qu'il a cette voiture-là, c'est tellement terrible. Vraiment ça, il croit, qu'est-ce qu'il croit? Et puis cette maison-là, est-ce que c'est ta maison? Est-ce que tu as échoué dans la vie. Tu as le zoom là. Hein? Tu n'acceptes pas même la victoire de l'autre. Il est bien habillé, pour toi il est mal habillé. Il est mal habillé. Ah non, même si c'est comme ça, oui, c'est bien, ça lui convient, mais à part ça, on sait comment il trouve ses habits là. La pauvreté ne vous confère pas le billet du ciel. Nullement. Il faut être un pauvre heureux, un pauvre content, un pauvre qui partage, un pauvre qui est un pauvre généreux. Amen. Regardez votre voisin, dites-lui, tu es pauvre, mais tu n'es pas heureux, parce que tu n'es pas généreux. Pauvre malheureux. Tu vois, tu dis. Quatrième et dernier texte pour le premier point. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6:10. Notre miséricorde doit toucher tous les hommes, mais elle doit commencer quelque part. La miséricorde de Tobie commence avec ses compatriotes, les Juifs qui étaient dans la diaspora, qui vivaient à l'étranger, qui vivaient avec lui à Ninive. Le pauvre invité à la table de Tobit, c'est un pauvre parmi nos frères déportés à Ninive. En Actes 1, 8, le Seigneur Jésus dit qu'avant d'aller témoigner de lui aux extrémités de la terre, il faut commencer par Jérusalem. Il faut ensuite aller en Judée en Samarie. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous les chrétiens, souvent nous commençons par les extrémités de la terre. C'est pourquoi Paul écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc la charité, il y a des papas comme ça, ils pensent beaucoup aux autres. Il aide les gens de l'église, il aide les gens de la rue, mais sa propre femme mal habillée, sa propre femme maigre, sa propre femme, on voit toujours qu'elle a l'impression de ne pas avoir la lotion ou elle n'a pas de lotion suffisante. Il y a des moments ici, tu regardes seulement que insuffisance de lotion sur le corps. Alors ça c'est un, deux, Antigone biblique. J'ai expliqué le samedi l'histoire d'Antigone. J'ai expliqué l'histoire d'Antigone. J'ai encore repris là-bas. Parce que on tuait les Juifs et on ne voulait pas qu'on les enterre. Et Tobie, lui, enterrait les Juifs tués. Donc c'était un, je crois que je l'appelle Antigone biblique. Vous connaissez l'histoire d'Antigone, non? Vous connaissez l'histoire d'Antigone? Antigone avait un frère nommé Polynice. Polynice, Polynice est allé, bon, parce que ça, je ne vous ai pas dit, Polynice est allé, j'explique dans le texte, Polynice s'est allié à un pays étranger. Il était dans cette armée-là. Il est mort comme traître parce qu'il s'est battu contre son pays. Alors, tous les deux, ils étaient à deux avec son frère, ils sont morts à la guerre. Alors, le roi Créon a dit, alors on enterre le frère de Polynice, mais Polynice, on ne l'enterre pas parce qu'il était un traître. Mais Antigone va dire, c'est quand même mon frère. Même s'il a mal agi, je dois faire quelque chose. Et il ne l'a même pas enterré. Il a seulement pris de la terre, un peu de terre. Il a jeté sur lui. Quelqu'un a vu ça. Il est allé dire au roi. Et on a pris Antigone. On l'a enterrée vivante. On l'a mis dans un cercueil vivante. Elle est allée donc, elle est morte dans le cercueil sous terre. En fait, ici, je voulais seulement dire que Tobie, c'est un Antigone. Nous avons vu les martyrs de l'Ouganda, nous avons présenté comme l'Antigone noir. Maintenant, ici, je vous présente Antigone biblique, Tobie. On a interdit d'enterrer les Juifs. Lui, les enterre. Il les enterre. Hmm.
Le texte nous enseigne que Tobie avait l'habitude d'agir ainsi. Ses voisins le critiquaient en riant. Tiens, il n'a plus peur. Il faut se rappeler que sa tête avait déjà été mise à prix pour ce motif-là. La première fois, il s'est enfui et le voilà qui se remet à enterrer les morts. Donc, c'était son habitude. Il a même été chassé, poursuivi pour ça, mais il ne s'est pas fatigué, il a continué à enterrer les morts. Alors qu'on avait interdit d'enterrer les juifs qui mouraient. Lui dit, je vais les enterrer, ce sont mes frères. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Antigone et Tobie nous interpellent car souvent nous négligeons nos morts. Il n'y a qu'à regarder nos cimetières et ce qui se passe à l'occasion d'un décès. Pour enterrer leurs morts, Antigone et Tobie ont dû affronter et désobéir aux autorités politiques de leur temps. Nous, il n'y a pas d'autorité politique qui nous interdise d'enterrer nos morts. Mais parfois, tu as un mort, ta mère est décédée quelque part, tu ne sais même pas dans quel état se trouve sa tombe. Tu l'as mal enterré, tu ne l'as presque pas enterré. Quelqu'un m'a montré ici, hein, ce docteur Eva, elle m'a montré la tombe qu'il est en train de construire pour son père. Ça fait même de la joie. Même papa, là où il est content. Mais il y a des gens, leurs parents sont morts, ils ne savent même pas où les parents ont été enterrés. Ils ont déjà oublié. Et j'ai suivi là l'histoire de Papa Wemba. Papa Wemba a enterré sa mère au cimetière de Gombe. Elle lui racontait l'histoire qu'un jour, il va au cimetière de Gombe pour voir sa mère. Il connaissait bien là où se trouvait la tombe de sa mère. Mais il arrive là, il passe là. Il ne retrouve pas la tombe. Il ne retrouve plus la tombe de sa mère. Alors, les gardiens, ceux qui travaillent là, quelqu'un lui a dit non. Ta maman t'a tourné le dos, c'est-à-dire tu as fait longtemps sans venir la visiter ici. Elle t'a tourné le dos. Parle-lui. Et Papa Mba parle. Et dès qu'il parle, les yeux s'ouvrent, il voit la tombe de sa mère, c'était Allah, à côté. Même nous sommes allés chercher la tombe d'un membre de Nathanaël qui était mort. Je vous en ai parlé ici, un jeune là, un chantre. Jean-Pi, quand il est mort, moi je suis allé à Kinshasa, j'ai dit, je vais aller voir la tombe de Jean-Pi. Nous sommes arrivés, les jeunes qui savaient l'on, on a cherché la tombe de Jean-Pi. C'est quand on a prié que nous avons pu découvrir la tombe. Donc il y a des moments où les morts, parce qu'en Afrique on dit les morts ne sont pas morts. Tu as enterré tes parents, tu as oublié. Au village, tu ne sais même pas où les a enterrés. Tobie enterrait ses morts. Les morts inconnus, mais nous, ce sont des gens que nous connaissons, des êtres chers. Tobie l'a fait pour un compatriote, donc Antigone l'a fait pour un frère qui a trahi sa patrie. Donc Antigone dit, même s'il a trahi sa patrie, c'est mon frère, il mérite une sépulture. Tobie l'a fait pour un compatriote inconnu. Sur les funérailles à offrir à nos semblables, Ben Sirac le sage a ses belles paroles. Mon fils, répands tes larmes pour un mort. Pousse des lamentations pour montrer ton chagrin. Puis enterre le cadavre selon les cérémoniales et ne manque pas d'honorer sa tombe. Pleure amèrement, frappe-toi la poitrine. Observe le deuil comme le mort le mérite. Un ou deux jours durant, de peur de faire jaser. Faut pas qu'on te critique. Puis console-toi de ton chagrin, car le chagrin mène à la mort. Un cœur abattu perd toute vigueur. Avec le malheur, persiste la peine. Une vie de chagrin est insupportable. N'abandonne pas ton cœur au chagrin, repousse-le. Songe à ta propre fin, ne l'oublie pas, il n'y a pas de retour, tu ne servirais de rien aux morts et tu te ferais du mal. Souviens-toi de ma sentence qui sera aussi la tienne, moi hier, toi aujourd'hui. Dès qu'un mort repose, laisse reposer sa mémoire, console-toi de lui dès que son esprit est parti. Donc il faut faire le deuil, d'abord bien enterrer la personne et puis faire le deuil. Et vous ne savez pas la grâce que vous avez d'avoir une dépouille mortelle. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont perdu des parents. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent même pas les pleurer. Ils ne savent pas où se trouve leur tombe. Mais toi, tu as un mort que tu as enterré à tel endroit. Mais tu as négligé. C'est ça la miséricorde. Enterrer les morts.
Ça fait partie des œuvres de la miséricorde. Enterrer les morts. Mais, comme je le dis souvent, nous n'avons le droit d'enterrer les morts que si nous avons bien vécu avec eux. Tu as mal vécu avec moi, je meurs, tu viens m'enterrer. Ce n'est pas par bonne foi, c'est par mauvaise foi. D'abord, il faut bien vivre avec les gens. Il ne faut pas que, quand tu vas au deuil de quelqu'un, les gens se demandent, il est aussi venu. Hein? Déjà, quand quelqu'un meurt, on dit, est-ce que l'autre là viendra? Et quand tu viens, vous savez, il ne s'entendait pas, hein? Mais il est là. C'est comme vous avez vu au deuil de Papa Wemba. Quand Papa Wemba est mort, maman Amazon ne voulait pas que certaines personnes viennent qui ont eu des problèmes avec Papa Wemba. Au deuil de MNEA, les gens ne voulaient pas que Papa Wemba aille. C'est qu'il a fait, il a même composé une chanson pour dire, voilà, moi le papa, on refuse que je vienne au deuil de mon fils. C'est pas possible. Donc c'est pourquoi il faut bien vivre. Pour que le jour où l'autre va mourir, que tu aies le droit d'aller à son deuil. Ne casse pas les thermomètres. Là, c'est la lecture de l'évangile. On vous a confié la vie pour que vous puissiez la gérer. Vous ne gérez pas bien. Mais le propriétaire envoie des gens pour l'audit. Vous vous fâchez, vous tuez ces gens-là. Pourquoi vous les tuez? La vigne vous a été donnée pour que vous puissiez la mettre en valeur, pour que vous puissiez produire le vin qui réjouit le cœur. Même vous êtes allé là-bas, vous avez commencé à boire le vin ou à manger la vigne. Hein? Vous avez commencé à manger les fruits là, vous avez mangé les fruits, vous avez détourné la vigne. Maintenant, on vous envoie des gens pour que vous rendiez compte, vous vous fâchez, vous les tuez. Pourquoi? Parce que vous avez mal géré. Vous voyez, même dans les pays là, comme les États-Unis, tu es président de la République, tu as géré, tu es comme Obama. Tu es libre. Obama aujourd'hui est libre. Il va ici, il fait une conférence, il va là-bas, il fait une conférence. Et les conférences, on lui paye très cher les conférences. Donc il n'a pas de problème. Oh, la justice va le poursuivre, il est en paix. Mais regardez Trump, il a des problèmes. Regardez au Congo ici, on a des problèmes. Quand tu es chef de l'État, il faut que tu meures. Si tu restes après, tu auras des problèmes. Parce que souvent on gère mal. Souvent, on découvre après vous que vous avez mal géré. Alors, vous avez peur. Mais les gens qui ont bien géré n'ont pas peur du jugement. C'est ça notre thème. La miséricorde se moque du jugement. Si vous avez géré dans l'amour, vous n'avez pas peur du jugement. Non, moi, j'ai bien géré. Je n'ai pas de problème. Et c'est ce qu'on dit, à tous ceux qui ont le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, gérez-le bien. Parce qu'il y a un après-pouvoir. L'après-pouvoir, c'est il faut bien vivre avec les gens. Pour après votre pouvoir, les gens disent, ah, quand il avait le pouvoir, il faisait ceci. Non. Il faut bien vivre avec les gens. Quand vous avez le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique, le pouvoir économique. Quand vous avez l'argent, vivez bien avec les gens. Dans la mesure du possible, il y aura toujours des petits gens là qui vous haïront. Oui, mais vous, faites de votre mieux. S'il y a 2, 3, 4 personnes qui vous haïssent, bon, vous pouvez comprendre. Mais il ne faut pas qu'une majorité puisse vous haïr parce que vous gérez mal, parce que vous gérez mal le pouvoir que Dieu vous a donné, le pouvoir politique, le pouvoir économique que Dieu vous a donné. Non. Alors, de ce texte, de la parabole des vignerons homicides, on retient quelles petites leçons? 3 petites leçons. La première, nous sommes des vignerons et non des viticulteurs. Les vignerons, ils travaillent dans la vigne pour produire le vin. Alors c'est ça, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour que nous puissions produire le vin qui réjouit le cœur. Ne sois pas seulement là pour être comme un viticulteur. Non, tu n'es pas viticulteur. Toi, tu es un vigneron. Il y a une différence entre le vigneron et le viticulteur. Le vigneron cultive la vigne et ses raisins et transforme lui-même ces derniers en vin. Contrairement au viticulteur qui, lui, ne travaille que la vigne. Lui, il travaille seulement la vigne. L'histoire là de produire du vin, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas ses oignons. Alors, nous, les chrétiens, nous sommes des vignerons. Donc, tu dois produire le vin. Là où tu es, tu dois produire la joie. Tu dois produire le bonheur. Médecin vigneron, avocat vigneron, prêtre vigneron, pasteur vigneron. Partout où tu es, tu n'es pas seulement là, oh moi je m'occupe des machines, moi je m'occupe des vignerons.
Tu t'occupes des malades, mais tu leur apportes la joie. Oh, ces médecins-là nous amusent. Ils nous racontent des belles histoires. Il est gentil avec nous. Il est calme. Oh non, c'est un bon type. Hein? Mais pas un médecin dur. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur. Oui. Soyez gentil. Il y a des médecins aimés. Comme on dit, Luc, le médecin bien-aimé. Être un médecin bien-aimé, une infirmière bien-aimée, un couturier bien-aimé, produit la vigne, hein? Travaille à la vigne, produit le vin. Tu n'es pas viticulteur, c'est pas la parabole des viticulteurs, la parabole des vignerons. Le vigneron travaille la vigne et produit le vin lui-même. Les viticulteurs, lui, ils travaillent seulement la vigne. Il ne s'occupe pas de la production du vin, c'est pas son problème. Il faut produire le vin qui réjouit le cœur. Amen. Tu seras la joie de ton Dieu. Il faut que tu sois la joie de ton Dieu. Parce que le vin réjouit le cœur de l'homme, réjouit aussi le cœur de Dieu. Psaume 104, 15. Le meurtre des prophètes. Nous pouvons croire que nous n'avons jamais tué les prophètes de Dieu. Mais sachons qu'il y a 36 façons de tuer un prophète, hein. Une des manières les plus insidieuses de le faire consiste à ne pas le prendre au sérieux, à ne pas croire en son ministère, à le loger au rez-de-chaussée, à se moquer de ses paroles. Le texte suivant peut nous aider à comprendre ce que signifie tuer l'homme de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. La joie de l'homme de Dieu, c'est de rencontrer des hommes qui croient à son onction et honorent son ministère. Moi, je dois faire le travail ici avec joie et chacun de vous doit y contribuer. Est-ce que moi, j'ai aidé M. l'abbé à faire son travail avec joie? Est-ce que moi, j'obéis? Est-ce que j'ai de la différence? C'est comme ici les chrétiens. Tu es chrétien de la paroisse, tu peux t'absenter un mois, on ne sait pas pourquoi. En quoi tu es chrétien de la paroisse? Moi, je suis ton pasteur, je ne sais pas pourquoi tu ne viens pas. C'est normal. Et vous trouvez ça normal? Vous, vous êtes des pères de famille. Moi, vous m'appelez Abba. Vous êtes père de famille. Votre fille disparaît de la maison, elle ne vous dit rien. Votre fils disparaît de la maison, ne vous dit rien. Alors, l'église famille de Dieu, là, c'est une histoire qu'on raconte pour rire ou c'est vrai? Si l'église est une famille, tu ne peux pas t'absenter sans informer. Tu dois dire, mon père, je ne serai pas à la prière aujourd'hui, j'ai tel problème. Mon père, je vais arriver aujourd'hui en retard, j'ai tel problème. Mon père, je voyage. Toi, tu es chrétien de la paroisse. Moi, je suis ton curé. Et quelqu'un vient me raconter, on a vu ton chrétien à Lubumbashi. Ah, moi, je m'étonne ici. Ah bon, il est à Lubumbashi. Il dit oui. Il est parti depuis quand? Depuis longtemps. Ça, c'est mon chrétien. C'est pas un chrétien. Ah, c'est pas un chrétien. Moi, je dois savoir, je dois le mieux informer. Quand les autres disent, monsieur l'abbé, ces derniers jours, hein, on ne voit pas Flavie à la prière. Je dis, non, elle est malade. Ces derniers jours, hein, on ne voit pas Serge à la prière. Non, il a voyagé. Ces derniers jours, je dis, non, il a tel problème. Moi, je dois savoir. Amen. Donc, tel que vous voyez là-bas, mes chers frères, on n'a pas de soutien. Au contraire, il y a des gens qui nous souhaitent la mort. Parce que quelqu'un qui ne vous a jamais écrit, vous avez fait autant de vidéos, il ne vous a jamais écrit pour vous remercier. Dès qu'il voit une vidéo qui lui paraît mauvaise, il fait des commentaires, il commence à dire, vraiment ça c'est très grave, il faut que la synco intervienne, parce que ça, trop c'est trop. Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas de soutien. Mais vous qui soutenez là, il faut soutenir. J'ai construit ici l'église. On a construit avec vous. Quand on affiche sur Facebook, vous avez déjà vu, quand on demande une contribution, combien de gens commentent? Ils ne commentent pas. Mais écrit quelque chose sur la Vierge Marie, tout le monde dit là-bas, non, c'est faux. Mais quand tu écris, venez un peu nous aider pour le ciment, combien viennent dire oui, je vais contribuer? Combien? La miséricorde se moque du jugement. Ne nous leurrons pas d'illusions. Le jugement de Dieu viendra. Mais en attendant, partageons dans un altruisme total notre pain avec la famille. Faisons de notre mieux pour que nos frères ne meurent pas.
Donc, j'ai dit, faisons de notre mieux pour que nos frères ne meurent pas. Mais si la mort est inévitable, enterrons-les avec honneur. Soyons la joie de Dieu et gardons-nous de tuer les serviteurs de Dieu qui nous demandent des comptes. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Romains 12, 8 à 9. Si nous agissons ainsi, nous rirons au jugement. Au lieu de pleurer et de grincer les dents. Si nous nous montrons miséricordieux comme Tobit, nous entendrons le Seigneur nous dire au jour du jugement, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Nous entendons le Seigneur nous dire, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Voilà mes bien-aimés, la miséricorde c'est mon coup de jugement. Soyons comme Tobie. Mangeons avec les pauvres, partageons notre pain avec les pauvres, enterrons les morts. En mangeant avec les pauvres, nous luttons contre leur mort, parce que s'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Luttons contre la mort des pauvres en les nourrissant. Mais si, malgré tous nos efforts, ils meurent, enterrons-les bien. Mais notre miséricorde ne s'applique pas seulement aux pauvres, mais soyons aussi miséricordieux. Vivons bien dans la vigne. Pour que nous n'ayons pas à tuer les serviteurs de Dieu qui nous interpellent. Et montrons-nous aussi miséricordieux envers les hommes de Dieu en leur montrant notre amour. Soutenons-les parce qu'ils n'ont pas toujours le soutien voulu. Quand toi, Dieu, te met à cœur de soutenir, soutiens avec tout ton cœur, soutiens de toute ton âme. Si tu fais cela, au jour du jugement, au lieu de pleurer, tu vas rire. Que Dieu vous bénisse.